Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission sportive. Il sera question d'automobilisme et d'athlétisme avec mes invités, à commencer par le 4L, le RAID 4L Trophy, avec deux jeunes filles de la région qui participent à ce trophée, avec, vous l'aurez compris, des 4L, les fameuses Renault 4L, avec moi Léa Malgrand et Jade Righini. Bonsoir. Bonsoir. Vous participez, ce sera le début de l'année prochaine à cette course, on va y revenir dans quelques instants. Et puis, faut-il la présenter? Je ne crois pas, mais je vais quand même faire pour la forme. C'est Hélène Spranger. Salut Hélène. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de NRTV. Hélène, avec cette retraite que tu as annoncée cet été, comment ça se passe à peine 31 ans de passer à la retraite sportive? Ça fait, j'imagine, un petit pincement au cœur quand même. Oui, quand même. Après, j'ai eu le temps de m'y préparer. C'est un choix que j'ai fait moi-même, donc ça va. Je suis pas mal occupée. Je cours à gauche, à droite. Donc, pour l'instant, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Oui, parce que j'ai vu dans les interviews au mois d'août, tu disais, voilà, moi, je vais arrêter. Après, il y a une petite angoisse de savoir que va devenir finalement ma vie après, une fois que ce sera terminé. Là, ça a l'air assez costaud en termes de programme. Oui, alors c'est des petites choses à gauche, à droite. Il n'y a encore rien de concret, de fixe, définitif. Mais c'est vrai que je profite de mes engagements pour être marraine dans différentes manifestations, prendre un peu de temps pour moi aussi pour souffler. Et puis les deux, trois petits projets que j'avais en cours et je n'avais pas le temps de m'investir assez, j'y passe plus de temps maintenant, donc c'est chouette. Et une chose est sûre, c'est que tu cours toujours. Ça, tu ne lâches pas. Avec, on va y revenir tout à l'heure sur Make Me Run. C'est des entraînements en commun que tu proposes le jeudi soir. Et puis il y avait la semaine dernière Wake Up and Run, c'est une initiative qui a été lancée en 2016 à Delémont et ça a lieu dans plusieurs villes de Suisse. Et là, c'était à Nyon, au petit matin, à 5h30, il faut être du matin, pour faire une course et dans une ambiance très particulière. Et précisément, l'événement avait lieu, je l'ai dit, vendredi dernier à la place Perton à Nyon. Andrea Brasse-Lopo y était et Hélène Spranger aussi. On regarde ce reportage, on se retrouve juste après. 5h du matin à Nyon et pas un chat. Enfin, sans compter sur la Wake Up and Run. Ce vendredi 29 septembre, la course s'est installée à Nyon pour la première fois. 320 courageux ont déferlé dans les rues de la ville. Partez pas, bonjour. Vous êtes tombé du lit ce matin? Ouais, alors un petit peu tôt, effectivement. Mais c'est pour la bonne cause, ça fait du bien de se lever. On s'est fait un peu pousser par une copine qui nous a dit « Allez, on y va ». Et puis on s'est dit « Pourquoi pas ?» Pourquoi vous êtes là? Pour le plaisir d'être avec déjà mon ami Giuseppe qui est à côté. On s'est lancé un défi ce matin, donc voilà, on est là. Un challenge avant d'aller enseigner en classe. Et un challenge pour rigoler. Une bonne façon de commencer la journée. Exactement, et une bonne idée. Pour entre amis, aller faire un petit footing à 5h30 du matin, ça semble être une très bonne idée. Et puis un vendredi, ça finit bien la semaine. Et puis elle est où la copine? Elle n'est pas encore là justement, on l'attend. On va aller la réveiller si elle n'arrive pas. Je suis vraiment ravi ce matin, les gens sont contents. Et ben franchement, je suis très content de cette ville de Nyon, l'accueil et tout, vraiment super sympa. Le concept, une course à pied matinale, même très matinale, puisque le départ est donné à 5h30. Avec 5 km au saut du lit pour commencer la journée de manière sportive, sans pression ni chronométrage. Cette idée, elle m'est venue de Londres. J'ai fait un séjour linguistique à Londres et puis je me suis dit, j'ai vu ça, je suis allé courir en pleine ville aussi le matin, pas 5h30 mais vers les 6h, 6h30 et j'ai réalisé qu'au fait, il y a énormément de gens qui couraient le matin. Puis je me suis dit, mais ça c'est génial. Mais je voulais sortir absolument de ce cadre compétition. On voit aussi les gens, ils sont totalement au taquet parce qu'ils ont l'impression aussi de faire quelque chose de totalement différent qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et on a aussi énormément de gens qui n'ont jamais couru, que c'est la première fois qu'ils courent parce qu'ils font ça entre copains, copines, entre collègues de travail. Et ça, c'est vraiment génial. Mais à vélo, c'est pas un peu triché? C'est triché, mais le problème, je vais vous dire pourquoi je suis à vélo et en plus électrique, c'est qu'il y a des personnes qui sont juste... voilà, il y a des gens qui courent à 18 km/h derrière moi et moi j'arrive jamais à courir à cette vitesse-là. C'est déjà des types qui sont... c'est des athlètes et c'est pour cette raison-là que je suis à vélo, quoi. Et en plus, si on doit se déplacer au niveau sécurité, s'il arrive un accident, on est aussi plus vite sur place, etc. À l'arrivée, les participants ont pu déguster un petit déjeuner équilibré et convivial. Vous venez chercher la récompense? Oh, clairement, c'est largement mérité. Et puis, vous êtes déjà dans la course pour les prochaines éditions en pleine préparation.
Exact, oui. On est en plein dedans et c'est vraiment beaucoup de travail. L'année prochaine, on a 11 dates, donc 11 villes différentes. Et ça, c'est vraiment... c'est chouette. Avec des nouveautés ? Oui, on a des nouveautés. On a des nouveaux partenaires qui vont entrer en lice dans la Wake Up and Run. Et ce qui est super, c'est qu'on a aussi Pays Romand, Pays Gourmand pour tout ce qui est la partie petit déjeuner, qui seront présents dans la partie francophone. Quant à moi, je dois vous avouer que je ne suis définitivement pas du matin. Une devise, la partie... la vie... avec une devise... c'est dur tout pour tout le monde le matin. Tu veux le refaire ? Avec une devise, l'avenir appartient à... pour... voilà, j'arriverai pas à la faire. Alors la devise, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ? Oui, c'est juste. Voilà, magnifique ambiance donc pour cette course à Nyon. On ne l'a pas aperçu sur les images, mais Hélène était présente durant cette course et je crois savoir que le réveil était pour toi particulièrement difficile. Tu avais fait la fête la veille. Oui, bah, j'ai eu un heptathlon surprise organisé par ma famille et mes amis, donc c'est vrai qu'on n'a pas fini très tôt. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup dormi, mais bon, c'était pour la bonne cause et puis j'ai eu le temps de récupérer le week-end. Alors là, on parlait de cet événement Wake Up and Run et je le disais, il y a un autre événement que tu as lancé ce printemps avec deux autres amis, Julia De Pietro et Sandy Robatel. Ce sont des entraînements les jeudis soirs à Colovrès, ça s'appelle Make Me Run. Et c'est un peu dans le même principe finalement, c'est de dire, bah, venez juste prendre du plaisir à courir, il n'y a pas d'aspect de compétition, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est vrai que bah, j'ai discuté avec le fondateur de la course, que je ne connaissais pas vraiment. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment les mêmes envies et les mêmes valeurs en proposant nos activités différentes. Et c'est vrai que c'est voilà, faire courir monsieur, madame, tout le monde sans forcément avoir un niveau international ou forcément viser une course, un chrono sur un marathon. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu agacée des fois parce que je trouve que ça prend beaucoup d'ampleur. C'est très bien que les gens bougent, mais c'est vrai que ça devient très professionnel. Il faut des montres, il faut des boîtes de contention, tout ça. Et moi, j'avais envie de sortir un petit peu de ça vraiment de proposer juste voilà, bouger, c'est bon pour la santé. Et puis, c'est ce qu'on fait le jeudi soir à Nyon. Et c'est vrai que c'est super sympa. Ce n'est pas difficile pour toi, après avoir été dans les sommets, de revenir à quelque chose où finalement, on est très loin de ce que tu as vécu jusqu'à cet été encore ? Non, bah c'est, je suis contente d'avoir vécu les deux choses, mais c'est vrai que le sport m'a apporté beaucoup plus que vraiment la performance sportive de haut niveau, parce que là, finalement, c'est assez élitiste. On a du talent, on a envie de travailler dur, on arrive. Puis il y a plein d'autres gens qui n'ont pas cette chance-là, entre guillemets. Et le sport, c'est beaucoup plus que ça pour moi. C'est vrai que ces moments de partage, le fait de se surpasser, de fixer un objectif qui est atteignable pour tous, que tout le monde peut faire, c'est vraiment ça qui me tient à cœur et que je cherche à partager avec Make Me Run. Et cet esprit sportif, il est présent aussi dans le rallye avec le Red 4L Trophy. C'est Jade et Léa, je le disais, qui y participent. Alors, vous allez participer, c'est une course humanitaire à bord d'une Renault 4L qui va relier Biarritz à Marrakech. Ce sera en février. L'objectif, c'est d'atteindre en 10 jours. Vous allez débuter finalement de Morges et au total, ce sera 8000 km de périple avec cette 4L. J'aimerais juste savoir déjà comment a débuté votre rencontre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé à vous lancer dans cette aventure ? Alors, on est les deux étudiantes à l'EPAC Design à Genève. On a fini notre bachelor en design de mode. Et puis, on a toujours parlé de partir au Népal. Et puis, il y avait ce petit côté d'aventure. Mm-hmm. Puis, par hasard, c'est des youtubeurs que je suis assez souvent. Puis, j'ai vu leur première vidéo. Puis, tu te dis, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Du coup, je dis, au début, ça commence un peu comme une blague. Mm-hmm. Du coup, j'en ai parlé à Léa. Puis au fur et à mesure qu'il sortait des vidéos, il y a l'envie plus en plus présente qui est arrivée de participer à ce projet. Ça commence souvent par une blague, hein, ce genre d'histoire. D'ailleurs, bah, justement, on va regarder quelques extraits d'un des youtubeurs dont tu parles, Jade, pour nous rendre compte un peu de l'atmosphère de cette course. On regarde. On vient de découvrir un petit problème là. Salut, mais on peut la remettre, hein, regardez. Hop, étant. Voilà, bah, vous voyez ce qui vous attend, hein. Je pense que vous vous en rendez compte. C'est quand même assez particulier, une 4L, on est très loin évidemment des standards automobiles actuels. Léa, comment tu maîtrises cette voiture ? Ben, plutôt bien au début. Il faut un peu se familiariser avec la voiture parce qu'on a l'habitude d'une direction assistée et d'un freinage, etc. Et là, il faut beaucoup anticiper. Mm-hmm. Mais c'est aussi sympa de revenir à quelque chose de plus authentique.
je trouve, par rapport aux voitures actuelles. Donc, Parce que là, cette course, ce n'est pas le plus rapide qui va gagner. L'objectif, c'est de faire la distance la plus courte. Ouais. Évidemment, le petit challenge, c'est qu'il n'y a pas de GPS. Hein, on reste naturel. Ouais. Donc, tout va se jouer, Jade, sur l'orientation. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un élément, j'imagine, qui ajoute un intérêt, le côté aventure, un peu plus dans cette aventure-là, Léa. Oui, complètement. C'est un peu partir à l'inconnu, à l'inconnu et être livré à soi-même. Et c'est ça aussi le défi, c'est de pouvoir se prouver des choses et dépasser ses limites. Et tu veux trouver quoi, Léa ? Moi, que je suis capable de partir comme ça à l'aventure, juste avec une vieille voiture et un sac à dos. Et c'est pour la bonne cause, hein, on va le rappeler, c'est pour une association. Vous me rappelez l'association ? Les Enfants du Désert. Les Enfants du Désert, l'objectif c'est de pouvoir, l'objectif de cette association c'est d'aider à la scolarisation des enfants marocains. Donc vous allez partir avec du matériel. Oui. Quel type de matériel ? Alors, principalement du matériel scolaire. On a déjà quelques personnes qui nous ont donné des cahiers, des crayons, ce genre de choses. Mm-hmm. Et puis après, en fonction des dons qu'on va recevoir, on aimerait aussi faire un chèque à l'association en argent. Et je ne l'ai pas dit, hein, mais vous avez un nom, vous avez un dessert. Alors le dessert, déjà, c'est le 518. Et votre nom, c'est les raclettes rebelles. Oui. Vous allez vous faire charrier sur place. Hein. Oui, mais on avait envie de prendre quelque chose qui claque. Mm. Quand on dit les raclettes rebelles, puis on s'en souvient tout de suite. Ça marque, ouais. Oui, puis il n'y a pas de doute sur vos origines, en fait, après. Oui. C'est une équipe suisse. Et il y en a, alors tu me disais, Jade, il y a 4 autres équipes suisses. Oui. Donc vous êtes 5 en tout. Et puis vous allez faire un départ à Morges en commun avec les autres équipes suisses. Oui, on va créer un village départ depuis Morges, d'organiser quelque chose pour vraiment faire commencer le début de la course. Et c'est aussi un projet en termes d'investissement, hein, d'argent. Je crois que votre projet, il est devisé à 11 000 francs à peu près sur l'entier. Oui. C'est en bonne voie, Léa ? Oui, bon, après, la recherche des sponsors, c'est quand même particulièrement difficile. On a reçu beaucoup de refus. Mm-hmm. On a envoyé beaucoup, on a contacté beaucoup de personnes. Puis pour l'instant, on a, je pense, 3 sponsors. Mais ce n'est pas ça qui va couvrir toutes nos dépenses pour l'instant. Bah, on lance un appel, hein, s'il y a des sponsors qui souhaitent soutenir justement les raclettes rebelles pour cette course Red 4L Trophy. Qu'est-ce qu'ils ont les sponsors s'ils vous soutiennent ? Alors on affiche leur nom sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, notre site internet, puis prochainement une page Instagram. Et aussi on affiche leur logo sur la carrosserie de notre voiture. Hélène, est-ce qu'un projet comme celui-ci pourrait te parler ? Partir avec une 4L dans le désert ? Oui, pourquoi pas. C'est vrai que moi, je suis assez aventureuse aussi, challenge. Je voulais que je me mette un peu à la mécanique, parce que là, je ne connais pas grand-chose. Mais non, j'aime bien ce genre d'aventure, partir à la one again. Et puis en plus, c'est pour la bonne cause. Donc je pense que ça va être, quoi qu'il arrive, inoubliable, juste en tant que copine déjà. Oui. Est-ce qu'il y a des notions de mécanique à connaître pour faire cette aventure, justement ? Alors justement, on part avec plusieurs pièces de rechange. Oui. Qu'il est nécessaire quand même de savoir où elles se trouvent et à quoi elles servent. Oui. Puis après, il faut connaître quand même un minimum la voiture. Donc il faut une petite formation, effectivement, Hélène, hein, pour ce genre d'aventure, un minimum de connaissances, ça va de soi. Et puis alors, si on veut évidemment vous soutenir, on l'a compris, il y a la possibilité de vous soutenir via les sponsors ou simplement en faisant un don. On se tiendra évidemment au courant de votre actualité. Donc le 12 février, c'est le début de la course avec la date est définie pour le départ à Morges. Probablement le 12 février. Le 12 février, justement, pour le départ à Morges. Allez, on va revenir tout à l'heure sur vos actualités, mais avant ça, un anniversaire. Ce sont les 30 ans de l'école de natation des Avelins à Gland. Et Rodolphe Henner, qui adore nager et barbouiller dans l'eau, était présent à cette fête. C'est une journée anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente ? 30 ans de bonheur. 30 ans de petits alevins qui apprennent à nager avec le sourire. La même chose. du plaisir. Donc vous en avez vu passer combien de ces enfants qui ont appris à nager ? Pour calculer vite fait, on compte 350 par trimestre, sachant qu'il y a 3 trimestres, fois 30 ans. Alors le calcul est vite fait, mais moi je ne l'ai pas fait là. Alors c'est simple, on a des anciens bébés qui reviennent avec leurs enfants maintenant. Vous avez vu l'évolution dans la loi sur l'enseignement, la loi sur l'éducation. Avant, on ne devait pas apprendre à nager, aujourd'hui c'est un impératif. Oui, tout à fait. En fait, on remplace aussi aux écoles
régulièrement et puis on suit aussi. C'est important parce que c'est d'une part une sécurité aussi pour les parents de savoir qu'il y a de plus en plus de gens comme qui ont des piscines privées et c'est important que les enfants soient à l'aise et qu'ils puissent se débrouiller en tout cas pour sortir de l'eau et être indépendants. Est-ce qu'il manque une nouvelle piscine couverte à Gland ? Je trouve que oui. Je trouve que oui, elle est petite la nôtre, elle fait 16 mètres sur 8. On a déjà 350 élèves par trimestre. Il y a pas mal de clubs qui aimeraient, il y a des autres clubs qui sont là comme le triathlon ou d'autres qui ont aussi besoin d'un bout de bassin qui sont des gens de la société de Gland. Et c'est vrai, ça fait très très serré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 30 prochaines années ? Le même bonheur que les 30 précédentes. Exactement. Plus d'élèves, plus de bonheur encore, mais je crois qu'on est déjà vachement au top. Voilà, et joyeux anniversaire donc pour l'école de natation des Avelins à Gland qui fêtait ses 30 ans. Et puis le petit clin d'œil politique a été bien reçu. On en parlera tout à l'heure dans les infos. Justement, on termine avec nos invités. L'actualité d'Hélène Spranger, on le rappelle, ce sont ses entraînements McMirron tous les jeudis soirs, 18h30. Oui, et lundi soir, 18h30 à Genève. Et lundi soir à Genève, ah, ça c'est nouveau. Ça montre qu'il y a un succès, il y a un intérêt, oui, tu le vois. On a eu la demande pour cette région-là, donc on s'est dit, départ, go, on y va. Et puis on propose à Genève maintenant une séance par semaine. Et pour celles et ceux qui nous regardent, qui se diraient, tiens, ce soir, je pourrais peut-être passer, voir la semaine prochaine, comment on vient simplement ? On vient à 18h30 sur le stade de Colevray, prêt à courir, et puis on part. Vous pouvez venir une fois essayer si ça vous plaît, et puis après vous revenez si ça vous convient. Alors dans les faits, c'est quoi ? On arrive, c'est sur une heure, chaque semaine, il y a peut-être un type d'entraînement différent, voilà. Ou simplement on court ? Non, justement, on n'aimerait pas faire un footing où justement ceux qui sont nuls sont tout derrière et puis les autres doivent attendre, c'est jamais agréable. On court tous ensemble, on se mélange tous les niveaux, on est sur la piste, chaque semaine on fait une séance différente, on fait des séries, des changements de rythme, des courses en côte, voilà, on varie et puis chacun va à sa vitesse. Les débutants se trouvent aussi chez nous et puis les avancés vont un peu plus vite, courent un peu plus longtemps, mais tout le monde commence et finit en même temps. Est-ce que c'est payant ? Oui, après c'est un petit peu payant, on demande 10 francs par séance ou 200 francs pour une année, donc voilà. Voilà, et effectivement c'est pas grand-chose comparé au club, et puis surtout, on a les conseils d'une championne, justement pour pouvoir s'entraîner, donc c'est tous les jeudis soirs du côté de Colevray et les lundis soirs à Genève. Merci beaucoup Hélène pour ta présence, bonne continuation pour la suite, pour les nouveaux challenges à venir. Au niveau sportif, il y a quelque chose qui se pointe Non, pour l'instant pas. Je donne un peu de repos à mon corps et puis on verra. Et certainement qui te dit merci, j'imagine. Je pense. Effectivement. Et puis avec Jade et Léa, je vous le rappelle, c'est ce trophée, le Red 4L Trophy qui a lieu en février de Biarritz à Marrakech. Les raclettes rebelles. C'est le nom de leur équipe avec le Dessart 518. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les filles, pour les mois qui arrivent ? Donc 6 mois, en fait, vous allez prendre le départ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici là ? Beaucoup de plaisir et une belle aventure. Et puis de pouvoir boucler le budget, j'imagine aussi. Ce serait pas mal, effectivement, oui. Avec les sponsors. Il y a 1500 équipes qui sont quand même attendues. Oui. C'est quand même une énorme organisation. Et puis, autour de vous, est-ce qu'il y a une équipe qui est constituée, ou c'est simplement vous deux qui prenez les devants toutes seules ? Oui, il n'y a que nous deux. Oui, on est vraiment seuls. Eh bien, chapeau pour cette belle aventure, pour le Red 4L Trophy. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve, non pas la semaine prochaine en raison des relâches, mais dans 2 semaines. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission sportive. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et à dans 2 semaines. Ciao.